nous rassembler le troisième dimanche de Pâques, ce jour à laisser. Et le titre de la messe là dit nous, c'est le Seigneur. Je dis, il y a une façon spéciale. Nous chrétiens, nous avons notre garantie. Dans le combat la vie, dans les difficultés, dans le moment fait noir, dans le moment difficile, fait silence. Quittez le maître là, chita avec nous dans le bateau la vie, et pour être capable de diriger nous, pour l'aider nous, gagner ça nous besoin, pour l'aider nous pour poisson, mais pour l'aider nous vivre, j'en ai pas de vivre, parce que nous quittons la place pour côté nous. Dans l'intention ça, nous prenons pour nous dire prière communautaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs qui sont échappés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, sous ce livre, feu de la vérité. Toi la rédemption spirituelle, toi le donateur de cette puissant de la main de Dieu, toi le Père avec promis. Qui fait gagner notre louange. Mais ta lumière dans nos esprits, répand ton amour à nos cœurs, et que ta force s'en déclin, que nos corps et leurs faiblesses. Repousse ta grâce à loin, sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toutes les fautes. Fais-nous connaître Dieu le Père, que nous avons le Fils et croire en tout temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pâques Seigneur, bonsoir. Et bienvenue nous toutes dans la messe la jeudi. Et moi content ouais nous, content accueillir nous comme chaque dimanche. Et dans la messe à nous, de nous pour nous prier en façon spéciale. Pour ce nous Noël qui a fait face à diverses épreuves dans ce moment ça, nous avons demandé bon Dieu en pile force pour lui, en pile courage. Chaque monde dans la vie a un moment difficile pour traverser et chaque monde a un temps par eux. Alors nous avons supporté ça dans la prière. Nous avons demandé bon Dieu en pile force, en pile courage.
Nous avons la prière pour le pays, nous en Haïti, nous connaissons les choses bon. Nous espérons qu'un jour a fini par bon quand même, parce que ça n'a pas duré tout le temps. Et nous avons la prière pour le monde entier. Pendant que nous avons préparé nous pour nous célébrer ça, nous avons pris conscience des péchés nous et nous avons demandé bon Dieu pour nous avoir pitié pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27b, 32, 40b, 41. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Le psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parures de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, versets 11 à 14. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades et des demi-myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Hallelujah.
C'est parole de la vie, nous, parole de délivrance. Évangile, alléluia, parole libération, alléluia, bravo pour Jésus-Christ, alléluia, louange pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, verset 1er à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetaient donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait du poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant les filets pleins de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné parce que la troisième fois,
Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons cette parole du Seigneur. Nous sommes capables de commenter en pile sur la première lecture là, qui est très intéressant, et deuxième lecture là tout. Qui montre nous avant-goût de sa capacité dans le ciel là, comment élu a chanté la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, l'agneau de Dieu. Mais moi plutôt, chita sur l'évangile là, commenter un petit peu plus sur l'évangile là. L'évangile là raconte nous comment pour la troisième fois, Jésus manifeste li pour disciples yo wè li. Première fois, c'était le soir de la résurrection, nous songeons toute porte fermée parce que disciples yo te peur juif yo, et avec raison, puisque yo te touye met là. Si yo fait ça à Boisvet là, qui ça yo pas fait à Brachèche, que nous-mêmes disciples nous y est. Donc, avec raison que l'apôtre te ferme le corps en dans yon caille et bloqué toute porte et yon père juif. Mais côté, yon justement ferme le corps dans la prison, ça, quand met Jésus paraît sans yon pas connaître qui Jean, il te dit yo, la paix soit avec vous. Deuxième fois, c'est 8 jours après, il vient paraître même côté encore, dans même condition. Première fois, Thomas pas là, et Thomas a résisté pour le croire. Thomas te dit, si je ne pas oué, et maclou yon en mêle, si je ne pas oué, trou a quitté dans bon côté là, monsieur me regrette pour nous, n'a pas l'empile, mais c'est pas pour moi. Alors Jésus, condescendant, les tourner spécialement pour Thomas. Les comprendre les difficultés de Thomas et les venir justement pour aider Thomas vaincre l'incroyance Léa. Donc, en deuxième fois, il paraît même côté et il dit la paix soit avec vous. Thomas, pas monté vle. Eh bien, même oui. Gardez pour ouais, pas beaucoup de moutes vle ouais, mais gardez pour ouais. Yo pas fake, c'est bien moi-même. Et c'est dans moment ça que Jésus t'a partagé mission li avec apôtre et puis il soufflé l'Esprit Saint sur yo pour ba yo force, ba yo pouvoir nécessaire pour capable remplir une mission qui pas seulement une mission humaine, mais qui ont mission divine. Et je dis, pour la troisième fois, il paraît encore. Apparition, yo, buyo, c'est justement pour aider apôtre à venir croire vraiment dans la résurrection, parce que
l'autre témoin, ça qui passé vendredi saint, où est que Jean-Jésus est fini dans l'humiliation, dans la honte, dans le mépris, dans l'abandon. C'est assez difficile pour penser que il y a une force là. Donc nous sommes capables de comprendre. Apotio, tu es un peu, pas seulement un peu, mais très découragé. Et si nous rapportons nous à ça, deux disciples qui étaient sous route de Maïs, nous trouvons la déception totale. Et des disciples, ça, ils ont parlé pour l'autre. Songez ça, des disciples Maïs, ils ont dit, après retourner au lacay, parce que ils ont quitté toute bagaille pour suivre Jésus, avec espoir que Jésus t'a libéré le pays. Et puis voilà que Jésus est tombé. Trois jours passés, ils n'ont pas vu rien. Donc, ils ont retourné dans la misère, ils ont retourné dans la souffrance, ils ont retourné dans le problème des bois pendiers et sous route là. Donc, ils ont raconté peine, ils ont raconté souffrance. Donc, maintenant, qui est état d'esprit, à potioteye. Donc, Jésus, lui-même, qui vraiment un bon maître, lui-même qui comprend la situation à Potio, eh bien, il paraît trois fois pour vraiment renforcer la foi, pour faire reconnaître c'est vrai, il ressuscité, pour prendre courage, et puis il fait travail que il a pour le faire. Donc, Jésus paraît une troisième fois. Apotio connaît donc qu'on y a que vraiment Jésus ressuscité. Mais même si on connaît que Jésus est mort et ressuscité, la vie continue comme par le passé. C'est mon yo vivre comme mon faut continuer vivre. Eh bien nous ouais yo retourner dans ancienne vie, ça a été qu'on fait. C'est la pêche. C'est des pêcheurs de poissons qui ont été. C'est avec ça qu'on fait famille vivre. Même si Jésus ressuscité, ça n'a pas changé la situation. Ils ont été dans la même situation, avec les mêmes conditions. Donc, il y a la pêche. Normalement, on va chercher à manger pour madame, on va chercher à manger pour Timonio. Et malheureusement pour eux, ils ont passé toute une nuit à travailler. C'était pourtant d'excellents pêcheurs, mais ils ont passé toute une nuit, fois ça, ils n'ont pas pris rien. Quelle déception! Et alors qu'ils étaient prêts pour retourner à la caille, ramasser les filets, voyer sous d'eau, dans la déception qu'ils n'ont pas gagné pour porter la caille, eh bien, Jésus, le bon maître, les rejoint. Il vient joindre dans la situation côté Oéa. Il vient joindre dans le temps de détresse. Il vient joindre dans le temps de problème. Et il prend le côté la main forte. Il paraît sous yo sans yo pas attendre. Et puis, il adresse yo. Et Monsieur Timonio, comment nous pas gagne manger? Yo pas de prendre rien hélas, yo pas gagne. Mais yo dit non, nous pas gagne. Et Jésus vient aider yo. Jete filet à droite bac là et puis n'a prend poisson. Monsieur écoute, yo jete filet à droite et yo prend tellement poisson que yo pas carré. Et filet à mettre dehors parce que filet a vint trop lourd pour eux. C'est un bagage extraordinaire. C'est intéressant pour voir qui Jean Jésus li fidèle à fidèle. Jésus fidèle à disciple yo. Quelle que soit la situation, Jésus pas jamais lagué moun parler yo. C'est l'or pas penser. L'on pense que tout bagay fini, ou pas gen aucun dernier zèl kat encore, et Jésus paraît. Jésus paraît, et tout bagay changé.
Monsieur connaît que yo t'a pral retourner comme ça la caille mais yo plein poisson pour la caille yo parce que précisément Jésus cares about. Et yon l'autre aspect pendant que nèg yo sorti Jésus te gen temps l'autre bord bord rive là à préparer manger pour yo. C'est déjà le Jésus, le Seigneur de la vie éternelle, il pral bay ou manger, yon pain qui pou bay ou manger vie éternelle, même s'il dit yo pote moso nan sa nou sot pran yo, an nou mete yo ensemble et apote yo pral retourner la kay, ki est content. Maintenant après que Jésus fin fait belle merveille ça pour yo monsieur manger qui est content gagne un autre événement important qui va le passer et n'a pas un petit temps pour regarder lui les yo fin manger Jésus a adressé Pierre pour le confier Pierre la responsabilité pastorale de son peuple pour le bail Pierre leadership sur toute communauté l'église là. Il va remettre l'église là dans main Pierre. Mais avant de remettre l'église là dans main Pierre, il pose trois questions et qui même question, est-ce que tu m'aimes? Et nous voyons que sous troisième fois Pierre peiné, ça fait le mal. Parce que en troisième fois Jésus mandel s'il remel. Donc l'on bon ami et puis ou comme gain impression qu'il pas fort confiance donc prendre ça fort mal donc Pierre vient remarquer que Jésus manque confiance dans lui puisque lui dit l'on première fois lui répond lui l'on deuxième fois lui répond lui l'on troisième fois lui répond il pose la question on prendre malgré qu'il réponde alors Pierre peiné mais en même temps tout c'était une façon pour Jésus de rappeler Pierre faiblesse. Il a régné trois fois. Pendant trois fois, il a dit, il a déclaré qu'il ne connaissait pas le maître. Ça permet de Pierre comprendre que aussi fort qu'on a pensé qu'on y est, mais finalement on est très faible. Si vous pas appuyé sur la force de Dieu, pas un jour pour accomplir mission ça. Ou t'es avec moi, mais pendant trois fois, ou t'es trahi. Un pied songer ça, ça fait le mal. Hein? Donc, ou pas capable vraiment servir bon Dieu, ou pas capable servir peuple bon Dieu, si ou pas une force bon Dieu avec ou. Travail ça, c'est un travail qui peut faire dans la foi, et c'est l'or appuyé sur bon Dieu qu'on capable. Accompli mission ça. Et alors, Jésus remet Pierre, responsabilité de l'église là. Un aspect très intéressant. Comment fait que yon nèg qui renié trois fois mettre lui, et puis c'est lui-même Jésus bay responsabilité de l'église là. Est-ce que Jésus pas gen bon sens? Est-ce que nous t'a fait ça nous-mêmes? Yon nèg ki trois fois nio et puis qu'on y a là pour t'abal li responsabilité tout ça gen qui pi important et pourtant c'est ça Jésus fait li remet Pierre toute l'église là c'est que au fond Jésus bay Pierre yon deuxième chance c'est vrai qu'il t'a trahi hier mais je dis elle qu'a fait autre chose. Li capable changer, li capable évoluer. Et Jésus pas jamais gain pour le regretter confiance qu'il t'a fait Pierre pour le remettre les responsabilités l'église là pour te bali une deuxième chance. Pierre pour le mettre à la hauteur des responsabilités jusqu'à ce qu'il mourit. Mes amis, en pile fois nous enfermer moun yo nan passé yo parce que moun nan te font mal et puis c'est ça nous wè
comme si nous n'en en prison, il n'est pas capable d'évoluer, il n'est pas capable de changer. Tout le monde est capable de changer. Tout le monde est capable de vivre plus bon avec la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que nous n'en font erreur, nous n'en font bêtise, et puis nous condamnons. Il était avec bêtise là, alors que depuis longtemps, il dépassait ça. Et pour qu'un bel dans la même condition, on continue à juger de la même manière. Nous faut évoluer dans le jugement. Et puis, bah, tout le monde chance. C'est ça, mieux aujourd'hui. Ah, même capable de l'autre bagaille demain par la grâce de Dieu. Bonne chance, moi. Pas mettre dans la prison mal là, comme si je n'ai pas évolué. C'est ça, Jésus fait nous. Et Pierre prend le fait travail là, parce que Jésus, d'ailleurs, connaît qu'il. Nèg vieille avec en pile générosité il va répondre à mission. Yon dernier bagage, en pile bagage nous t'es capable méditer sur à partir de l'évangile. Mais yon dernier c'est que Jésus dit Pierre sois le berger de mes brebis. Prends soin de mes brebis, prends soin de mouton yo. Ça veut dire que les brebis n'appartiennent pas à Pierre, ni à Jean, ni à Jacques. Les brebis appartiennent seulement et seulement à Jésus, le Seigneur. C'est lui-même qui met. Apotio, c'est simplement gardien. C'est ça le hier et c'est ça le continuer aujourd'hui. Que ce pape, que ce monseigneur, que ce Père nous permette l'Église là, nous ses gardiens. Et comme ça, c'est bon travail avec en pile humilité, son seul maître, son seul Seigneur qui gagne. Nous-mêmes, nous des simples gardiens et contentez-nous des positions de gardiens, nous. Amen. Salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a prêché de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et vient dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Qui est Seigneur et qui donne la vie, il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la réprobation et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, la vie du monde à venir. Parce que Seigneur, on a prié, bon Dieu, grand maître là, qui, par l'intermédiaire, Seigneur Jésus, te baille prière. On a une deuxième chance pour nous apprendre, baille chance, même gens, et même chance sale de baille prière pour le continuer, bon nous-mêmes tous. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pour tous ceux qui sont découragés par l'échec, par l'injustice et par la solitude et l'isolement,
supplions notre Dieu et Père. Jetèrent donc le filet. Pour les hommes et les femmes qui ont généreusement répondu à l'appel du Seigneur, pour que leur foi ne faiblisse pas, supplions notre Dieu et Père. Ils aperçoivent un feu de braise. Pour les jeunes cherchant des signes, des repères, et pour que les nouveaux baptisés de Pâques poursuivent leur chemin avec le Christ, supplions notre Dieu et Père. Savait que c'était le Seigneur. Pour tous les chrétiens, tous les baptisés qui ont un jour rencontré le Christ, que ce temps pascal ravive en eux la joie de la foi et l'ardeur de la charité. Supplions notre Dieu et Père. Sœurs et frères, dans le silence de notre cœur, offrons nos intentions personnelles au Seigneur. Supplions notre Dieu et Père. Dieu grand maître, disciples tes péchés pendant toute la nuit là. Yo pas prend rien. Et c'était la déception. Mais quand petit toi apparaît, lui montrer au côté pour jeter filet. Et alors c'est la joie. Yo prend quantité de poisson que pas même capable râler. Nous j'ai défilé en pile fois grand maître nous pas joindre rien en pile dans nous fait en pile effort mais nous pas ka wè fruit effort nous yo probablement parce que nous pas connait qui côté pour nous jeter filé n'a mande autant prier voyez grand maître Jésus viens montrer nous qui côté pour nous jeter filé pour finalement poisson nous besoin yo. Nous rêvons de capturer. Nous demandons ça, pas pouvoir même Jésus qui est grand maître nous, lui-même qui vivant et qui roi, depuis tout le temps et pour tout le temps.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ et notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé, lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque John Noonan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Rose et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Semblez pas que nous sommes venus, mais c'est comme ça que je dis tout le monde welcome. Et je dis tout le monde bienvenue. Je dis à une façon spéciale, d'après dit Noël, nous ne connaissons pas tellement bien ça, mais je ne suis pas trop capable de parce que je dis à c'est exactement le jour qui marque le jour anniversaire. Après, d'après dit Noël, je dis à une bonne fête et d'après prendre nous tous qui l'a, je dis à pour nous chanter ensemble pour lui. Et moi, je demande toutes les bénédictions possibles. Et imaginez que le papa Badi pour dévouement dans le service de l'église et surtout dans la fidélité avec sa paix. Parce que même si nous n'est pas capable, la paix passée, dire nous tout, mais nous ne pouvons pas oublier, nous parce que le programme n'a pas faire, il faut nous dégager nous pour nous faire, parce que c'est nous pour faire. Ça veut dire lui-même qui pire mal, là, c'est lui-même qui a fait, nous connaissons, nous dégager nous pour nous faire. Ça veut dire moi, je ne suis pas fatigué, parce que si lui est malade, il n'est pas fatigué, moi, je ne suis pas fatigué. Ça veut dire, je ne dis pas ça pour moi flatter, mais je dis ça pour nous reconnaître que bon Dieu bat nos place, il bat nos travail, mais il peut travailler à cœur. Si on nous demande bon Dieu pour bat la santé, pour les capables de continuer à faire travail là pour nous. Dans la semaine, aujourd'hui, en façon spéciale, nous chaque nous avons une intention pour lui. Je dis bon Dieu dans la lumière, dans la clarté, entre notre la vie, pour les capables de battre la direction pour nous. Mélissa, pas de mal l'homme reconnaît valeur sans monde fait qui bien, non? Et nous croyons que nous toujours plus facile reconnaître ça monde fait qui mal pour nous parler le mal au lieu de nous reconnaître ça lui fait qui bien pour nous féliciter. Félicitations pour une flatterie, son encouragement. Monde n'en connaît et l'œil dit oui soit fait bien. Mais ce n'est pas seulement sentiment pâle, mais l'autre monde qui permet de reconnaître que ça l'a fait bien pour le croire là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, son service à rendre les uns aux autres, là où il faut bien marcher, dire qu'il a bien marché. Pas de mal dans ça, au contraire, c'est bon pour nous faire ça. Parce que tout le monde, ou pas juger dans propre cas, est-ce que vous comprenez? Nous avons toujours besoin de l'autre monde pour ton jugement sur vous. Donc, le nous faisons nous reconnaître bien, l'y fait, nous apprécier ça, c'est un bon bagage.
c'est pas les monde nan mouri après le fin mouri. Oh, li ton bon monde, oui, fais le connait jodi a pour encourager pour le continuer à avancer sur route là pas avancer a. Ce moins route va prendre vraiment li bon. Frère route ça va prendre li bon. Mon cher Kimbella, li bon bon di ça. On veut pour nous faire ça, nous besoin ça parce que tout le monde besoin encouragement dans la vie. Donc pas excuse de sorte à faire, c'est ton bon bagaille. Eh ben moi me dit il pas qu'à fâcher. Me dit li contrôler 44 moun, excusez. C'est bien. Donc nous font bon petit progrès aujourd'hui hein, par rapport à ça noté avant. Et faites Pâques là. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. En tout cas, Noël, bonne fête et félicitations. Et merci en pile pour tout dévouement dans l'église là. Parce que depuis que je connais ma venue ici, ça fait peut-être une douzaine d'années ou plus, vous toujours l'observer. Que bon Dieu récompense pour dévouement ou dans le service peuple. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frère Samuel, je souhaite que nous passions très bonne semaine, spécialement Noël. Et que dimanche, nous retrouvons ici là, dans quel content, bye bon Dieu louange, bye bon Dieu gloire, parce qu'il a mérité ça. Yeah.